Voilà, merci, bienvenue, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Bolloa, à la présentation. Voilà, je suis avec Eric Boukou, l'analyste politique, au téléphone en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Eric, allons maintenant à l'actualité politique. Ça, c'était une nouvelle un peu là, triste là. Bon, dommage. Heureusement, s'il faut dire malheureusement, que Rossi a été enterré. Dis-moi un peu, avant aussi, ça le dossier à Rossi. Zaki, penza, yé, penza, to, pas eu ma décès, mon beauté, que comment vous bâtiez, Zaki, yé, yo, t'allais, pena, corne, Zaki, hein. Oui, c'était l'une que j'ai vidé. Par les réseaux sociaux, disant ou déclarant que les acquis étaient non, en fait, les acquis, nous on a eu à voir le corps, on a fait l'acquisition que les acquis. Bel et bien, du bien qu'il y avait des craintes que Bakoura vous blâchait, mais c'était lui. Bel et bien lui. Ah, voilà. Derrière le masque, la mort de Rossi, l'enterrement de Rossi a fait presque 3 mois. On se demande. La prochaine personne, on va faire combien de mois? Parce qu'avec Étienne Tshisekedi, c'est maintenant 12 mois sans suite. Et qu'est-ce qui fait que bateau tout bazo ça la histoire na mboka RDC ce qui bakufi bazo kunda bangomba la mokote. Et pourtant baza na borandi ba Rossi ba homme politique kakamo ba activiste ba militant, il y a eu 3 mois. Bon, peut-être avec Étienne on peut comprendre 16 mois. C'est ça le problème aussi avec ba activiste. Avec en tout cas avec ceux qui s'opposent à régime ça. Au moins, tout de suite, ça va bien. Pas bon, lundi, aux le 2 juin, en fait. Et il faut qu'on ait à voir. Bon, espérons que voilà, que vous allez à solo. Parce que si on se rappelle bien, raison au Udio, Barry, il faut bien, Babou et qui est à Zala, enterré dans Nini, dans Bangounaï, dans l'église Naïe, c'est parce que juste quelques mois avant, Babou et qui est à Itiens. Pour ne pas pour mettre à nu ma intention là bas ils ont préféré aussi interdire y a pas mal d'animaux. Finalement, on apprend que quand les ozones là, on ne sait pas, je ne sais pas, on a une information dessus où est-ce qu'on vous a là. Ah ok ok bon nous sommes aussi informés na koto information Tozu nous a dit que Corezo qui est à niveau à Kinshasa finalement après mais qu'est-ce qui fait que c'est ça la question qu'on se pose actuellement comment activiste Nyon sont bon quand Papo Lang est un peu exceptionnel parce que c'est un homme ecclésiastique mais qu'est-ce qui fait que Tozu a moins résistance ou on a delay ou retard non, en fait, vraiment Papo Langa Batou, Papo Langa Batou, un homme bien, un homme qui a apporté quand même un réveil moral sur le plan combat spirituel dans l'église, dans le domaine ecclésiastique, dans la religion. Mais bon, s'il faut dire malheureusement, heureusement, coïncidence, c'est ça l'ami que période Balinga Corné qui est en Kinshasa, à Kundama, au niveau 17e rue. Et c'est là qui peut même période Oyo, il dépêche Linga que Corrie tient Tshisekedi qui tapait dans la 10e rue, c'est ça, non? Dans la siège sociale. Siège sociale. Siège social. Il est victime, il n'y a pas de tractation par politicien. Donc, on voit comment crise politique dans la RDC, ils ont affecté tous les secteurs. Il y a vu un mouvement. Mais jusque-là, tu n'as pas encore d'informations sur si le corps de Papa Olang peut. Ce que Kundama de 17e rue, toka na métropole, c'est ça? Donc, là, on a information T, mais nous espérons que dans les jours. Heures à venir, sera mieux. Ah, ok, ok. Mais ce qui est certain, c'est que le corps descend à Kinshasa. Oui, oui, les 2 juin. On sait que Naïf s'est tenu les 2 juin, raison pour laquelle même, Bassengi battu ensemble, et Moïse Katumbi va reporter, parce que par exemple,
comme l'avait fait Fatih. Alors, Bazoli, est-ce qu'on va reporter à vous? Singh, on va reporter après ma tractation avec, après ma négociation avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, va reporter pour le 9 juin. Donc, une semaine après. Juste pour faire place obsèques et à Papa Olangi. Ah, ok. Vraiment, question me repose un peu, dossier Papa Olangi, finalement, le corps descend à Kinshasa après quelques semaines, il y a enterrement, il y a Rossi Chimanga Mukendi qui, vraiment, son âme repose en paix, ainsi que la famille a toujours consolé. Et de l'autre côté, sur le plan ecclésiastique, le corps de Papa Olangi sera finalement enterré, mais où la question n'est pas encore répondue. Je crois qu'il n'a pas jour, tout en Mikolo Zoya, toujours avec sollicitation, il y a Eric Bukula et puis. Na ba media mususu tokoye ba place nini ba kokunda yango. Espérons que kolekana kimia parce que Papa Olangi n'est pas comme Rossi. Papa Olangi c'est un homme yaza poids lourd na monde ecclésiastique. Je ne pense pas que ba des autres de ko sala mabala gaz avec mon gène ko yali susu na moment ba obsèque na ye puis na moment enterrement na ye comme police c'est ça la norme d'habitude. Hein Eric? Ah ben c'est ça l'habitude avec eux, mais pour le cas de Papa Olangi, bien sûr, rien à craindre. Parce que Kanaïs a vraiment politique. Ah, Papa ok. Olangi, c'était un monsieur aussi qui était assez populaire ici. Il a vraiment un ecclésiastique qui est développé, donc je ne vois aucun trouble. Et ça démarre pour Nakawana. Donc je pense qu'il y a dans le calme, en fait, j'espère, espérons, parce que. Il faut comprendre qu'on a un régime qui est aux abois. Souvent, on a rassemblement à moi, moi, full moi, il y a toujours pas mes gars dispersés. Parce que peut-être qu'il y a un ces régimes d'abord. Donc, vu que Papa Olangi était assez populaire, et vu que l'église n'a si les obsèques s'étendront là-bas, ce n'est pas loin de limiter, en fait, c'est à limiter, ce n'est pas loin du siège de l'UNEPES. Qui peuvent bien sûr venir se déverrouiller. Donc, à moins qu'il y ait un cas comme ça, je ne vois pas vraiment risque qui est dégénéré dans ma. Ah, ok. Voilà, Eric, parlons un peu. Bon, si vous avez besoin de contacter Eric, c'est Eric Bukula Facebook. Et je crois que je vais vous faire passer son numéro de téléphone pour avoir plus de précision. Et puis, certaines questions, pour que vous en vous branché, connecté à www.congodialogue. Une émission a un espace dialogue avec moi, Josué Boloa, en direct de l'Afrique du Sud. Je suis au téléphone avec l'analyste politique Eric Bukula. Grand merci, Nayo Piero El Picasso, hein, portrait. Donc, Ebikato Betamasolo, développer une analyse un peu actualité négociée Congo. Eric, parlons un peu de l'actualité politique. Vous êtes un peu mieux placé. Il semblerait que c'est possible et serait possible que M. Joseph Kabila puisse encore activer le bouton vert pour continuer le troisième mandat au niveau de la RDC. Que pensez-vous?